m'appelle Max Rodriguez et j'ai fait la série Stig et Tilde. Et Stig et Tilde, c'est deux frères jumeaux, frères et sœurs jumeaux. Et moi, j'avais vraiment envie de faire une série avec un rite de passage. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ce moment où voilà, on passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est quelque chose que je traite toujours dans mes bandes dessinées. Et je me suis un peu rendu compte que voilà, y a plein de civilisations où il y a ce moment, il est vraiment marqué par quelque chose, quoi. Et nous, on n'a plus vraiment ça. Après, il y a les changements d'école, ce genre de choses, mais on n'a plus un moment précis qui est, voilà, maintenant, vous êtes des adultes, vous faites partie du monde des adultes. Et donc, je suis parti de cette idée et j'ai décidé d'inventer un rite de passage qui se passe dans un pays nordique un peu fictif. Voilà, c'est au bord d'une ville au bord d'un grand lac. Et les enfants, quand ils ont 14 ans, la tradition, c'était ils partent sur l'île, sur le lac pendant un an et ils doivent survivre seuls. Du coup, ça se passe de nos jours et donc on est un peu moins dur avec les enfants. Et ils partent un mois sur une île où il y a tout le confort nécessaire, mais où il n'y a aucun adulte. Et donc Stig et Tilt partent à deux sur leur bateau pour aller sur cette île, pour passer ce rite de passage qui s'appelle le Kulku. Et ils restent, évidemment, ils arrivent sur une mauvaise île et l'aventure commence. Mon intérêt pour l'adolescence, c'est né déjà au début où j'étais libraire. Je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de bouquins qui traitaient de ce moment-là en bande dessinée. Et quand je devais conseiller des livres pour les ados, je me retrouvais souvent coincé entre des livres voilà, de gags un peu misogynes ou des trucs assez violents vraiment pour adultes. Et finalement, j'ai l'impression que le seul médium en bande dessinée où ça traitait un peu de l'adolescence, c'était le manga. Mais que dans la bande dessinée franco-belge, c'était assez pauvre. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et je trouve que c'est un moment qui est hyper riche. Souvent, les adultes parlent des ados comme étant des gens un peu mous, qui s'intéressent à rien, qui sont pas bons à l'école, qui sont pas polis, qui sont mal habillés. Alors que je trouve que c'est tout le contraire, quoi. Les ados, c'est un moment où, voilà, évidemment, c'est un moment difficile, mais c'est aussi un moment où hyper riche, où il se passe plein de choses, où on est super intéressé, la vie est super intense. On a, dans la même journée, on est hyper heureux et on est hyper dégoûté, on est hyper en colère, tout est en dents de scie, on est des amitiés à la vie, à la mort. Voilà, donc je trouve que c'est un moment qui est vraiment formateur et qui est un moment crucial dans la vie de tout enfant et de tout adulte. Et donc voilà, j'avais envie d'explorer ça. Et je l'ai fait pour un bouquin, puis deux, puis trois. Et chaque fois, je dis que ça va être le dernier bouquin. Et je me retrouve toujours à retravailler là-dessus. Oui. En fait, j'avais envie de... pour Stig et Tilde, j'avais vraiment envie d'aller dans un récit qui était plus... où je pouvais me permettre plein de choses. Donc le fait que les enfants changent d'île dans le premier, dans le deuxième et puis dans le troisième, qui est le dernier, ça me permet d'avoir trois ambiances très différentes. Et donc de traiter plus de l'horreur, de l'épouvante, et de réussir à faire un bouquin qui parle d'ados et de leurs relations entre eux, mais tout ça dans un contexte un peu plus fantastique et plus aventure, quoi. J'avais vraiment envie de faire une histoire d'aventure, comme moi je les ai adorés gamins. Enfin, moi je lisais du Spirou, je lisais du Tintin et tout ça, qui sont vraiment comme ça des récits d'aventure. Et puis j'ai aussi des gros souvenirs de films comme les Goonies, des films assez cultes quand on est gamin, de choses qui sont le quotidien mélangé à quelque chose de tout à fait merveilleux et fantastique, quoi. Du coup, j'ai pris avec moi un original du tome 2 de Stig et Tilde, et je l'ai pris parce que donc je disais que je voulais faire un bouquin un peu fantastique quand j'ai commencé Stig et Tilde. Et au début où je l'ai commencé, je voulais vraiment faire quelque chose avec des elfes, avec genre vraiment un peu héroïque fantasy, parce que moi, j'ai lu ça ado, et puis après, j'en ai plus jamais lu, mais je me suis dit, ah, ce serait chouette d'essayer de renouer avec ça. Et finalement, le récit est beaucoup moins héroïque fantasy que ce que je pensais, quoi. Et dans le tome 2, j'ai quand même réussi à placer deux petits elfes dans un coin de case. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je dessine trois bouquins pour arriver à dessiner des elfes, et j'ai réussi à en placer dans une case sur trois bouquins. Donc, c'est une scène où... de flashback où on retrouve Mathilda, qui est un personnage du second tome, qui apparaît déjà, en tout cas en filigrane dans le premier, où elle raconte son enfance. Elle a vraiment vécu d'île en île pendant plusieurs années. Et donc on voit son évolution et tout ce qu'elle apprend. Et donc on la voit traverser des paysages, rencontrer des elfes, dompter des chevaux sauvages, trouver des geysers. Ici, alors on a une case qui est complètement vide, mais en fait dans la version... dans la version finale, il y a des peintures rupestres que j'avais dessinées à côté. Voilà, elle vit un peu sous toutes les conditions climatiques. Et donc, c'est des pages où je me suis beaucoup amusé parce que
je passais mon temps à regarder des photos de l'Islande, de tous des grands lacs et tout ça, et voilà, je me suis fait plaisir en dessinant tout ça. Alors pour moi, le Festival d'Angoulême, c'est un peu la Mecque de la bande dessinée, quoi. C'est un peu l'endroit où tout le passage obligé. Là, cette année, j'étais en sélection avec Stig et Tilde. Et c'est super, c'est vraiment un super. C'est un peu la reconnaissance, quoi. Là, c'est la troisième fois. J'étais sélectionné une fois en 2011. Et je m'étais dit, ah, c'est un peu par hasard. Ils sont un peu trompés. J'étais sélectionné une deuxième fois l'année passée pour Bâtard. Je me disais, bon, peut-être qu'il y a quand même un peu quelque chose. Et là, c'est la troisième fois que je suis sélectionné. Et donc, je commence à me dire, ah, mais en fait, je suis un auteur qui a quand même. Je suis un peu reconnu par mes pairs. Et c'est super gay, ça. Et après, Angoulême, c'est aussi une grosse réunion de famille, parce qu'on. On se connaît tous, le milieu de la bande dessinée n'est pas si grand que ça. Et donc c'est le seul moment où tout le monde se voit, ceux qui habitent en France, ceux qui habitent en Belgique, ceux qui habitent en Suisse, aux États-Unis, voilà, tout le monde arrive et se retrouve là pendant 4 jours. Donc c'est un peu la réunion des copains colo de vacances comme ça.